Bonjour, excusez-moi, on fait un micro-trottoir sur le 8 mai 45. C'est juste une question que vous pouvez répondre. C'est très rapide. Vous devez juste nous dire qu'est-ce que pour vous c'est le 8 mai 45. C'est juste ça. Bon, il n'y a pas de problème. La fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la signature de l'armistice. C'est une victoire d'un pays. C'est la victoire d'un pays sur la planète. Et ben, la fin de la guerre, le 39-45, et puis la libération pour toute la France. Des souffrances qu'ils ont, la fin des souffrances qu'ils ont vécues. Il y a eu un massacre en Algérie parce que c'était. Ah oui, mais moi je ne le sais pas. La fin des souffrances pour les Français qui ont subi dû aux Allemands. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enfin, votre trottoir sur le 8 mai 45, ça me juste une petite question. Qu'évoque pour vous le 8 mai 45? Oui, pour nous, comme je viens de Russie, pour nous, c'est nous qui gagnons. Le Allemand. Le 8 mai 45, je sais pas trop. Si, 8 mai 45, c'est Deuxième Guerre mondiale. Ça doit être. Je sais pas, je suis désolé. Est-ce que vous aurez 2 minutes à nous accorder pour répondre à une petite question? Non, j'ai pas le temps, je suis désolé. C'est d'abord une date historique. Hein. C'est la date de la capitulation du Troisième Reich. Hein. Et donc l'arrêt des combats. Est-ce que vous aurez 2 minutes à répondre à une petite question? Non? Oui, mais 45 pour moi, c'est bon. La date de 45, c'est bien la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les événements 8 mai, personnellement, je ne les connais pas tous. Enfin, je suis né en 67, donc c'est très loin pour moi. Quoi. Je ne sais pas répondre là-dessus. 8 mai 45, je ne sais rien, je ne suis pas française. Alors. C'est anniversaire libération de la France, non? C'est pas ça? Oui, la libération, oui, effectivement, et il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Moi-même, mon père a été prisonnier en Allemagne pendant la guerre de 40, en Silésie du Nord, et malheureusement, ça l'a beaucoup frappé. Le massacre. Il y a eu l'armée française qui a frappé fort, alors que de l'autre côté de la Méditerranée en Europe, on fêtait la fin de la guerre. Le 8 mai, c'est un massacre, ça. On ne va pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal des contingents d'Algériens qu'on a ramenés en Europe pour combattre contre les Allemands. Et la récompense à la finale, c'est que le jour où ils ont demandé une indépendance, ils ont été massacrés. Pour moi, le 8 mai 45, c'est la victoire sur le nazisme, bien évidemment. Et comme je suis quelqu'un qui s'est engagé très bonheur contre la guerre d'Algérie, c'est aussi malheureusement, dans le même temps, le même jour, un massacre terrible en Algérie de tous ceux qui voulaient leur indépendance. Le 8 mai 45, je le sais parce que moi je connaissais l'histoire de Sétif, du massacre à Sétif, alors que c'était un gouvernement national où il y a le PS, le PC, les gaullistes. Parce que le ministre de l'Air, c'est Charles Quillon, le ministre de la Fonction publique, c'est Maurice Thorez, le président de gouvernement, c'est Charles de Gaulle. Donc c'est une sorte d'union nationale pour enterrer la revendication de l'autonomie et du droit à l'indépendance que venait de réobtenir la France au lendemain même de la fin de la guerre 39-45. Voilà ce qu'évoque pour moi le 8 mai 45 à Sétif. Et ça a été caché par les autorités françaises. Et c'est bien que les associations prennent en charge ça et fassent connaître le maximum, parce qu'effectivement, pour construire quelque chose de neuf, il faut le faire à partir d'une réalité. Ça va rester dans les mémoires tant que l'histoire n'aura pas corrigé, écrite conjointement, normalement, ce que je souhaite, par des historiens français, algériens, marocains, tunisiens. Il doit y avoir un partage de l'histoire, une connaissance partagée, dès l'histoire pour se rapprocher d'une histoire réelle et la faire connaître aux générations qui doivent s'armer contre ce genre de guerre coloniale, parce que même si actuellement la guerre coloniale n'existe pas, elle existe aussi dans les esprits. Bah jusqu'à présent je ne savais pas, mais en fait ils viennent m'expliquer que c'était qu'ils ont fait un massacre à Sétif, c'est ça? Ouais. Ouais, je crois. Bah, et plus de ça, je suis originaire de Sétif. C'est tout ce que je peux dire. Voilà.